et tout ce que nous faisons doit être basé sur l'Écriture. Église catholique, a-t-il dit, avec votre sincérité? Eh bien, ai-je dit, je suis un catholique? Il a dit, oui. Eh bien, ai-je dit, bon, selon l'enseignement de l'Église catholique, que Jésus-Christ a établi l'Église catholique, et les apôtres ont été ses premiers prêtres, et Pierre a été le premier pape. Ça, c'est selon l'enseignement de l'Église catholique, et que cette Bible a été écrite au sujet de l'Église catholique primitive. Eh bien, et alors l'Église catholique a le pouvoir de changer tout ce qu'elle veut parce qu'elle est l'Église. Et j'ai dit, depuis les premiers jours, ça, vous l'avez tout changé. Vous avez remplacé l'immersion par l'aspersion et une eau converse. Vous avez remplacé le Saint-Esprit par la Sainte Communion. Et j'ai dit, je suis simplement un des catholiques à l'ancienne mode, qui s'en tient à la croyance originelle qui a été établie. J'ai dit, ce qui est étrange, c'est que Pierre, qui était le premier pape, a dit, il n'y a aucun autre médiateur entre Dieu et les hommes que Jésus-Christ, homme. Et aujourd'hui, vous avez tous, Marie et Sainte Cécile, et des centaines de femmes qui sont mortes, et ainsi de suite, comme intercesseurs. Quelque chose s'est passé entre le premier pape et ce pape-ci, voyez, si ça ne doit pas changer ou être modifié. J'ai dit, d'autre part, que faites-vous de Saint Paul, qui était le grand saint de l'Église catholique primitive, qui a dit, si un ange du ciel prêche un autre évangile que celui-ci, qui a déjà été prêché, qu'il soit anathème. Et j'ai dit, qu'en est-il de Jésus-Christ, qui a établi l'Église catholique, qui a dit, si quelqu'un retranche une seule parole de cette Bible, ou y ajoute quoi que ce soit, celui-là sera lui-même retranché, sa part, du livre de vie. Par conséquent, à mon avis, en tant que croyant de la Bible, tout ce que nous faisons doit être basé sur les Écritures. Toutes les révélations, toutes les visions, tout doit être basé solennellement sur l'Écriture, car c'est le fondement sur lequel nous nous reposons. L'ainsi dit le Seigneur. Dans les Écritures, nous ne voyons pas où l'on est déjà aspergé, ou versé de l'eau, ou consacré de petits enfants de cette manière-là. Mais dans l'Écriture, nous voyons qu'ils ont amené des enfants à Jésus pour qu'il les bénisse. Et il les a pris dans ses bras et a dit, « Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui le ressemblent. » Et il a béni les petits-enfants. C'est tout ce qui est écrit dans les Écritures à ce sujet. C'est comme ça que nous essayons de procéder. Maintenant, si le... Comme dans l'Église méthodiste et l'Église nazaréenne, et dans beaucoup d'autres églises qui font l'enfant... Je ne pense pas que l'Église nazaréenne le fait. L'Église méthodiste le fait, et beaucoup d'autres, ou les penseurs évangéliques qui baptisent les petits-enfants en les aspergeant. Bon, c'est bien, quelle que soit la forme sous laquelle vous voulez les consacrer, mais c'est simplement pour que vous voyez qu'on ne met pas d'eau sur eux. Nous leur imposons simplement les mains en essayant de suivre l'exemple de notre Seigneur. Et c'est ce que nous voulons que les mères comprennent. Pourquoi nous ne les aspergeons pas d'eau? Parce que nous n'avons pas de référence biblique pour ça. Nous n'avons pas de référence biblique pour l'aspersion d'eau sur les adultes ou sur les enfants. Donc, l'enfant est trop jeune pour être baptisé. Le baptême est l'expression extérieure qui indique une œuvre de la grâce a été accomplie à l'intérieur. Et l'enfant ne peut pas exprimer ça parce qu'il n'y a pas eu d'œuvre de la grâce à l'intérieur, voyez-vous, parce que ce n'est qu'un bébé. Ce sont les parents qui amènent le bébé à Dieu, celui qui leur a donné l'enfant, et ils le lui redonnent pour le consacrer. Alors, c'est ce que nous faisons ici. Maintenant, ils vont amener des petits pour les consacrer. Je vais demander à la sœur de bien vouloir venir au piano et nous donner la note pour amener-les. Je crois que c'est sœur Gertie, ou quelle que soit la jeune femme qui est ici. Et alors, juste avant de faire ça, faisons un mot de prière pour les mères et les gens qui amènent leurs bien-aimés. Seigneur, nous sommes vraiment un peuple privilégié de vivre dans un pays où nous avons encore la liberté de culte.
où nous avons le gouvernement qui nous protège et nous donne cet héritage donné par Dieu. Nous n'avons pas à nous conformer à une église d'État ou un genre de dictateur, mais nous pouvons venir à toi selon la conviction que nous avons dans notre cœur. Nous prions pour que cela dure longtemps, jusqu'à ce que Jésus vienne, si c'est la voie que tu as pourvue. Et maintenant, beaucoup de gens amènent leurs petits-enfants, jour après jour et semaine après semaine, alors que tu les as remis entre les mains de leur père et de leur mère, et que tu les as confiés à leurs soins. Ils nous les amènent, Seigneur, à nous, les anciens, ici à l'Église. Et par la prière, nous te les offrons. Je te prie, ô Dieu, de prendre chacun de ces petits chéris ce matin et de consacrer leur vie à toi. Bénis les foyers d'où ils viennent, que leur père et leur mère te soient tellement consacrés que les enfants seront élevés dans des foyers chrétiens. Pour te servir tous les jours de leur vie, purifie-nous ce matin, Seigneur, alors qu'ils amènent ces petits agneaux innocents, les petits trésors de leur cœur. Mais ils veulent qu'ils aient la vie éternelle. Et ils te demandent, ô Dieu, de les protéger et de veiller sur eux, et de les guider jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour que nous puissions leur parler et les persuader d'accepter le Seigneur Jésus et de recevoir la vie éternelle. Nous faisons ceci pour la gloire de Dieu, selon sa parole, au nom de son Fils, le Seigneur Jésus. Amen. Maintenant, pendant que les mères amènent et les pères amènent leurs petits ici pour la consécration, la sœur va jouer. Amenez simplement les petits-enfants et tenez-vous ici le long de l'autel. À côté de ces petits qui ont déjà été consacrés. Très bien. Immédiatement après ce service, il y aura le service de baptême. Et pendant qu'ils les amènent, je ferai aussi bien d'annoncer, maintenant, assurez-vous de faire venir vos bien-aimés ici. Cet après-midi, à 18h, entre 18h et 18h30, ils distribueront les cartes de prière. Et les services commenceront, je pense, à 19h. À 19h30. All right, sir. Just come right up close with the little ones, if you will. Très bien, monsieur. Approchez-vous donc des plus petits, si vous le voulez bien. Je vois des mères qui sortent leur appareil photo ici. Vous savez combien les mères ont de considération pour les petits. Combien aiment les petits-enfants? Oh là là! J'avais l'habitude d'entendre ces petits chanter « Jésus aime les petits-enfants dans le monde ». Êtes-vous sœur Grimsley? Votre petite fille, je ne sais pas si Meda est déjà entrée dans l'église ou pas. Nous avons lu dans un journal il y a quelque temps, et elle m'a appelé pour me dire qu'une sœur Grimsley était décédée ici en ville. Et nous étions surpris. Puis, quand je suis rentré à la maison et que je suis allé à l'église ce dimanche-là, vous étiez là, assise dans l'église. Et j'ai dit, « Eh bien, c'est la morte la plus vivante que j'ai jamais vue. » Donc, ça devait être une autre sœur, Madame Grimsley. Oui, madame. Maintenant, je veux demander à Frère Neville et à quelques-uns des anciens de bien vouloir s'avancer maintenant et de se tenir ici pour la consécration. Si certains d'entre vous, les frères dans le ministère, là, en tant qu'anciens, avancez-vous, frères. Eh, frères, maintenant, chacun d'entre vous, les mères et les pères et les grands-parents, offre à Dieu ces petits joyaux précieux que Dieu vous a donnés pour la consécration, en les consacrant au Dieu qui vous les a donnés. Que sa grâce et sa miséricorde soient toujours avec vous, c'est ma prière. Frère Collins, est-il proche? Ou frère... Ou qu'il s'avance, s'il le veut bien, ici pour ce service, si...
Il est l'un de nos pasteurs adjoints ici de l'Église et nous aimerions qu'il soit ici avec nous pour la prière si possible. Maintenant, vous savez, parfois, ces petits enfants, ils n'ont jamais pratiqué ceci, alors ils se comportent conformément à leur nature. Et parfois, ils poussent des cris et pleurent, mais ça fait simplement d'eux de bons bébés, n'est-ce pas? Donc, nous n'y portons pas attention. Alors, s'ils pleurent ou quoi que ce soit, souvenez-vous, ça ne dérange pas du tout. J'imagine que quelques-uns des petits qui ont été amenés au Seigneur Jésus ont aussi pleuré un peu, vous savez, parce que c'est toujours comme ça. Les petits, ils sont dérangés quand on les déplace, et certains sont restés assis ici, dans la salle surchauffée. Alors, nous n'y portons pas attention. Très bien, nous allons... Avancez-vous. Et quel est son nom maintenant? Tina Renée Bennett. La petite Tina Renée Bennett. La grand-mère l'amène pour la consécration. C'est certainement un amour de petit bébé. Prions. Seigneur, ils amènent entre les mains de ton serviteur ce petit bébé chéri pour lequel nous prions, pour te le consacrer. Dieu, bénis cette petite enfant et puisse-t-elle vivre et t'adorer. Bénis ses parents et ses grands-parents. Et Seigneur, s'il y a un lendemain, puisse-elle être une de tes grandes servantes. Accorde-le, Seigneur, alors que nous te la présentons. Au nom de Jésus, reçois-la. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, sœur. La petite Cynthia Lee Canard, un autre petit trésor potelé. Oh, elle est bien dodue. N'est-elle pas un trésor? Prions. Seigneur, nous t'amenons cette petite enfant, et comme elle était prise des bras des bien-aimés et placée dans les miens pour une sainte consécration et être donnée entièrement à Dieu, la petite est trop jeune pour savoir, mais les bien-aimés l'ont amenée. Qu'elle vive, Seigneur, et qu'elle soit forte et en bonne santé toute sa vie. Bénis ses parents, ses grands-parents et tous ses bien-aimés. Dans la gloire, fais qu'ils soient tous rassemblés ce jour-là quand nous te rencontrerons. Garde-la en bonne santé et heureuse. Nous te la donnons pour qu'elle te soit consacrée par la prière. Au nom de Jésus-Christ, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que c'est le vôtre? Quel est ce grand gaillard? Carl Christian Stahl. Le petit Carl Christian Stahl. C'est le petit-fils de notre frère McDowell. C'est vraiment un beau petit garçon. Je prie que, s'il y a un lendemain, il soit un prédicateur de l'Évangile. Courbons la tête. Seigneur, comme ce grand-père a mis dans mes bras ce petit paquet d'amour, je te prie, Seigneur Dieu, de prendre soin de ce petit enfant et puisse-t-il vivre, grandir, être fort et en bonne santé. Puisse-t-il, s'il y a un lendemain, puisse-t-il prêcher l'Évangile que nous, qui le consacrons ce matin, nous croyons. Puisse sa petite vie être bénie abondamment. Bénis ses parents, ses grands-parents et ses arrière-grands-parents. Nous prions pour que tes bénédictions reposent sur lui, car par la prière de consécration, nous te consacrons maintenant ce bébé, ô Seigneur, au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Un très gentil petit, pardonnez-moi, vous êtes la mère? Félicitations, quel beau, quel est son nom? Cheryl Anne Baldwin. C'est vous la mère? Bon, c'est bien. Shirley, tu es une belle petite fille, la petite Shirley Anne Baldwin. Bon, elle est juste un peu timide, vous pouvez le voir. Je suppose que sa mère l'était aussi. Je viens de les rencontrer. Je sais que c'est... Ce sera très bien comme ceci. Oh, c'est une petite, une gentille petite fille, je crois. Elle est ravissante.
prions. Seigneur, nous t'amenons cette petite enfant avec son petit doigt dans sa bouche, ô Dieu. Elle n'a aucune idée de ce qu'est le péché. Et je te prie, ô Dieu, de bénir sa petite vie, qu'elle soit noble et prospère. Bénis sa jeune mère ici, son père, ses grands-parents et tous ses bien-aimés. Et alors que nous te la donnons par une prière de consécration, solennellement, puisse-t-elle vivre, grandir, être forte et en bonne santé, et être un exemple quand elle sera une jeune femme pour servir le Seigneur Jésus. Accorde-le, Seigneur. Je crois que c'était sur des petits-enfants comme celui-ci que tu as imposé les mains et que tu as béni. Nous demandons ceci pour la gloire de Dieu, alors que nous te la donnons et la consacrons au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, je pense que tu es une gentille petite fille, timide mais gentille. Que Dieu vous bénisse. Félicitations pour ce beau bébé. Eh bien, il y a peut-être longtemps, j'aurais été capable de prendre dans mes bras une petite fille comme celle-ci. Comment t'appelles-tu? Je... apparenté à l'autre? Ah oui, Bale, c'est presque pareil. Je veux que vous voyez tous cette petite fille parce qu'elle est vraiment mignonne. Je vais devoir la soulever juste un peu. Une très jolie petite fille. Je pense que c'est sur de petits êtres comme celui-ci que Jésus a imposé les mains. Combien nos mains sont indignes. Mais si vous cherchez des mains dignes, vous n'en trouverez pas. Nous sommes indignes, mais nous réclamons sa promesse par la grâce. Son nom, déjà? Sherry Diane Bale. Prions. Seigneur, nous t'amenons cette petite enfant, douce, jolie. Je te prie, ô Dieu, de bénir sa petite vie. Puisse-t-elle vivre pour devenir une femme forte, pleine de grâce et de puissance. Puisse-t-elle avoir sa place dans la grande histoire de la rédemption, afin de faire quelque chose pour le royaume de Dieu. Bénis sa jeune mère, le père, les grands-parents et tous ses bien-aimés. Et si vous vivez pour qu'elle, jusqu'à ce que son jour arrive, ou puisse-t-elle être une ouvrière pour toi. Maintenant, nous te la donnons entièrement pour sa consécration, par la prière, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu te bénisse, ma chérie, une jolie petite fille, bien gentille. Est-ce qu'il sera aussi ministre? Très bien. Et comment s'appelle-t-il? Jean-Michel Dalton. Or, tu sais que j'ai un petit cow-boy là-bas, à peu près ta taille. Le petit Jean-Michel. Bon, c'est bien. Son père ici est un ministre. Je crois que c'est vrai. N'étiez-vous pas un ministre baptiste? Un laïc de l'église baptiste. C'est ça. Prions. Amen. Seigneur, nous t'amenons ce petit garçon. Je ne sais pas ce que je tiens dans mes bras. La mère non plus ne le savait pas quand il est né et que ses petites mains ont caressé son visage. Ni le papa qui s'est gonflé la poitrine en sachant qu'il avait un fils. Dieu, je prie que cet enfant soit à l'honneur et à la gloire de Jésus-Christ. Nous te l'amenons maintenant pour le consacrer par la prière de consécration, afin que tu utilises sa petite vie pour ta gloire. Car nous te le consacrons au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse, un gentil garçon. Ce petit enfant? Oh, est-ce que c'est la sœur Dalton? Robert Anthony. Sœur Dalton. Eh bien, je suis heureux de vous rencontrer, sœur Dalton. Je connaissais très bien votre mari. J'imagine que je vous ai déjà vu. C'est Robert Lee? Quoi? Robert Anthony. Très bien. Oh, dites donc. Oh, ce n'est pas le gruau de maïs du Sud qui lui a fait ça. C'est un gentil garçon, un beau petit bonhomme. Prions. Seigneur, nous t'amenons ce petit garçon pour la consécration que sa mère et son père ont amené. Et nous te prions de consacrer sa petite vie, Seigneur, à ton service. Puisse-t-il vivre et être un grand homme,
fort, physiquement et spirituellement. Accorde-le, Seigneur. Et maintenant, nous te le consacrons au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Félicitations pour ces deux gentils garçons. J'espère qu'ils seront tous les deux prédicateurs, si le Seigneur tarde. Voici un autre garçon. On voit bien que c'est un bon garçon, à la façon dont il sépare ses cheveux. Comment s'appelle-t-il? Robert Samuel Batt. Bon, je ne sais pas. Il est vraiment lourd. Oh là là! Robert Samuel Batt, un gentil garçon. Prions. Dieu bien-aimé, nous t'amenons ce petit garçon et nous voyons qu'il est presque un adolescent. Oh, les pièges que le diable a préparés pour le petit. Contourne-les pour lui, Seigneur. Que le petit garçon ne marche jamais dans les voies de l'iniquité, mais que la prière de consécration ce matin et la foi des parents avec la nôtre amène sa petite vie à se diriger vers le calvaire. Ô Seigneur, fais qu'il vive et qu'il grandisse et qu'il soit un brave homme fort. Si c'est ta volonté, qu'il prêche l'évangile demain, s'il y a un lendemain. Nous te le consacrons maintenant au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ils sont frères et sœurs? Eh bien, c'est très bien. Bonjour. Maintenant, voici aussi un gentil garçon. Comment s'appelle-t-il? Sidney? Sumner? Sumner? Dwight Sumner. Il y a déjà eu un grand prédicateur qui s'appelait Dwight. Oui, un grand prédicateur. Qui sait comment il s'appelait? Dwight Moody. C'est vrai, il n'avait pas d'instruction, un petit cordonnier, mais il a amené 1 million d'âmes à Jésus. Puisse le petit Dwight faire de même. Te voilà. Oh, c'est un gentil garçon, un beau petit garçon. Il a l'air d'un prédicateur. Courbons la tête. Seigneur, nous t'amenons ce petit garçon, pris des bras des bien-aimés et placé dans les nôtres. Et en croyant la Bible, et par la foi dans la Bible et dans le Christ de la Bible, nous te consacrons ce petit garçon, afin que sa vie soit utilisée pour la gloire de Dieu. Bénis son foyer, ses parents, ses bien-aimés, et puisse-t-il vivre, être fort. Et si c'est ta volonté, fais de lui un ministre pour demain, s'il y a un lendemain. Mais dans nos prières, avec sincérité, avec des prières de consécration pour lui, nous te l'offrons au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu es un gentil garçon. Merci, frère. Oh, je ne sais pas. Il y a quelque chose chez ces petits bons hommes. Ça vous fait sentir vraiment bien. Vous savez, nous avons... J'ai ici une petite amie. Elle est timide. Elle a complètement baissé la tête. Je l'appelle mon petit gâteau. Elle vient de la Géorgie, où je suis allé récemment pour passer des vacances avec son papa, pour aller à la pêche. Et la raison pour laquelle je l'ai appelé mon petit gâteau, après que sa mère m'a fait frire environ 2 ou 3 steaks d'aloyau entiers, quand je suis allé chez eux, et j'avais tellement mangé que je ne pouvais plus manger. Cette bonne cuisine du Sud. Elle est arrivée avec des petits gâteaux. Il fallait que je les mange aussi. Alors, je l'ai appelée mon petit gâteau. C'est une gentille fille. Tous les petits, vous aimez tous le Seigneur? Oh, c'est bien. De temps en temps, je prêche seulement aux petits-enfants, vous savez. Combien étaient ici que j'ai raconté l'histoire du petit Moïse? Vous savez, ce petit bateau, vous savez, dans lequel ce petit bébé était caché. Vous vous en souvenez? Et vous êtes tous venus autour de l'autel et vous avez consacré votre vie au Seigneur Jésus. Maintenant, aujourd'hui, nous célébrons sa résurrection. L'aimez-vous encore? Vous tous qui l'aimez, levez la main. Vous, les petits garçons et les petites filles, ici. Oh, comme c'est beau! C'est bien, 100%. Et je le crois aussi, de tout mon cœur, qu'il l'aime. Nous venons maintenant pour le service de baptême. Nous ne savons jamais exactement combien de gens seront baptisés. C'est une partie de l'Évangile. Le message de la résurrection était « Allez par tout le monde
et prêcher l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, comme cela a été lu ce matin pour nous dans Marc 16. Maintenant, nous allons lire quelques passages de l'Écriture pour le baptême d'eau. Maintenant, il y a beaucoup de gens et d'églises qui aspergent les gens d'eau. Beaucoup d'églises croient cela. Et c'est comme ça. Bon, c'est bien. Beaucoup versent de l'eau sur les gens. Ils la versent simplement. Ils tiennent l'eau au-dessus de leur tête et la versent dessus. Eh bien, c'est bien. Vous voyez, c'est une consécration. C'est une expression extérieure qui indique qu'une œuvre de la grâce a été accomplie à l'intérieur. Alors, je n'ai rien à dire contre ça, vous voyez. Mais dans les Écritures, on les baptisait par immersion dans l'eau. Ainsi donc, étant donné que je suis un catholique à l'ancienne mode, je ferais mieux de faire la même chose que l'Église à l'ancienne mode faisait, vous savez, par immersion, complètement recouvert. Jésus était complètement scellé. Il était mis en terre. Une grosse pierre a été roulée sur la tombe. Enseveli, il a emporté nos péchés au loin. Par conséquent, nous croyons ceci, que ce que les autres font, c'est bien. Nous ne faisons pas de polémique avec eux. Mais quant à nous, nous croyons à l'immersion. Et maintenant, nous faisons cette immersion conformément aux enseignements apostoliques de l'Église primitive. Certains de ceux qui font l'immersion encore aujourd'hui se sont éloignés des rites initiaux de la croyance apostolique. Au commencement, le premier baptême qui ait jamais été fait après la Pentecôte, c'était d'être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tous les baptêmes qu'on suivit, chacun a été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et certaines des personnes, nous le lirons dans un instant, qui avaient été baptisés par immersion par Jean-Baptiste, seulement pour la repentance, non pas pour la rémission des péchés. Et elles ont dû venir se faire rebaptiser de nouveau au nom de Jésus-Christ afin de recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, aujourd'hui, nous avons substitué Actes, ou plutôt Matthieu 28, 19, où Jésus-Christ a ordonné à son Église, « Allez parmi toutes les nations et enseignez-leur à observer toutes les choses que je vous ai enseignées, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Pierre, 10 jours plus tard, leur a ordonné d'être baptisés au nom de Jésus-Christ. Et personne de la Bible n'a jamais été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas dans les Écritures. Personne n'a jamais été baptisé. Et puis, quelqu'un dirait, là, vous voyez, que cela a été établi comme l'Église catholique, la foi de nos pères, ou les réalités de notre foi, dans le livre catholique, les réalités de la foi catholique, il est dit que les protestants reconnaissent notre baptême. Le diocèse catholique, vers le 14e siècle, baptisait les hommes en les aspergeant, au nom de Père, Fils, Saint-Esprit. Mais il n'y a pas de référence biblique pour ça. L'Église, Wesley est sorti, et Luther, avec la même chose qui vient de l'Église catholique. Certains d'entre eux utilisent toujours le catéchisme catholique, certains utilisent toujours le credo des apôtres, et ainsi de suite, qui proviennent de l'Église catholique. Et si Dieu fait d'un homme un chrétien, comme ça, je n'ai rien à dire contre ça, vous comprenez? Voyez? Mais pour moi, je dois être un catholique à l'ancienne mode. Je dois m'en tenir à ce que l'Église primitive faisait. Et je dois baptiser
à la manière dont l'Église primitive baptisait, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, nous essayons de rester fidèles à cela. Maintenant, j'aimerais dire ceci, dans Matthieu 28, 19. Jésus a dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Eh bien, l'un d'eux, il n'a jamais dit « au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit ». Il a dit « au nom, au singulier ». De grands érudits comme Scofield et les autres, et le texte grec original, partout dans le, dans toutes les traductions, c'est « au nom », pas « des noms » ou « au nom du Père, au nom du Fils », c'est « au nom du Père, Fils et Saint-Esprit ». Eh bien, Père n'est pas un nom, Fils n'est pas non plus un nom, et Saint-Esprit n'est pas non plus un nom. Ce sont des titres qui se rapportent à un seul nom. Vous voyez, il n'y a qu'un seul nom. Alors, si la révélation que nous essayons de vous apporter a sûrement été la même révélation que les apôtres avaient quand ils se sont tenus à ses côtés et qu'ils l'écoutaient donner cette commission. Quelqu'un a dit, « Eh bien, peu m'importe ce que les apôtres ont fait, Jésus a dit ceci. Si les apôtres lui ont désobéi, alors les Écritures sont fausses. On doit reconnaître que les Écritures sont parfaites. Sinon, elles ne sont rien. Toutes les paroles sont vraies. Sinon, aucune d'elles n'est vraie. Je ne sais pas quelle partie serait vraie si elle n'est pas toute vraie. Si une partie de la parole n'est pas inspirée, alors le reste pourrait ne pas l'être. Mais il n'y a pas une seule contradiction dans les Écritures. Alors, si Pierre a dit, « Repentez-vous et soyez baptisés chacun de vous au nom de Jésus-Christ », et que tous ceux qui ont été baptisés après cela l'ont été au nom de Jésus-Christ. Mais que Jésus a dit, « Allez, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». C'est une contradiction évidente, semble-t-il, mais ça ne l'est pas, si seulement vous savez. Souvenez-vous, les Écritures sont cachées aux yeux des sages et des personnes versées dans la matière. Le saviez-vous ? Et être révélé. Les Écritures ne se contredisent pas. Elles déclarent simplement elles-mêmes ce qu'elles sont. Maintenant, si vous retournez en arrière, si vous lisiez une histoire et que vous disiez, par exemple, « Jean et Marie vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants », comme certains d'entre vous, nous sommes tous coupables de lire des histoires. Et si vous ne savez pas qui étaient Jean et Marie, tout ce que vous pouvez faire, c'est de retourner au début du livre et de lire d'un bout à l'autre pour découvrir qui étaient Jean et Marie. Si Jésus leur a ordonné d'être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que Père n'est pas un nom, et Fils n'est pas un nom, et Saint-Esprit n'est pas un nom, nous ferions mieux de retourner voir qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et quel est son nom. Alors, si vous voulez prendre avec moi le chapitre 1 de Matthieu, comme quand vous lisez n'importe quel livre, il y est dit, voici, en commençant par les généalogies, il y est dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, sa fiancée, autrement dit. Maintenant, je veux vous montrer comment, regardez, nous allons dire que ceci, c'est le Fils, Jésus. Ceci, c'est le Père. Ceci, c'est le Saint-Esprit. Or, tout le monde sait, et Jésus l'a dit, que Dieu était son Père. Vous croyez ça? Il le faut. Le Père de Jésus-Christ était Dieu. Maintenant, je cite l'Écriture, Matthieu 1, 18. De quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ? Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'elle, qu'ils eussent habité ensemble. Alors, lequel de ceux-là est son père? Elle enfantera un enfant et on lui donnera le nom de Jésus. Remarquez, elle était, et quand Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle de cette manière. Quand il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains point de prendre avec toi ta femme, Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Eh bien, comment Dieu pourrait-il être son Père si le Saint-Esprit est son Père?
il aurait deux pères. Et quel genre d'enfant serait-il? Il n'y en a pas deux. Le Saint-Esprit et Dieu, c'est la même chose. Voyez? Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de Jésus. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge concevra et mettra un enfant au monde. Et il sera appelé Emmanuel, qui signifie quoi? Dieu avec nous. Maintenant, voici le Fils, le jour où Jésus s'est fait baptiser dans le Jourdain. Jean a rendu témoignage qu'il avait vu l'Esprit de Dieu comme une colombe venir et s'arrêter sur lui. Jésus a dit, « Ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est mon Père qui demeure en moi. » Or, Père, Fils et Saint-Esprit ont un seul nom, ces trois titres. Et qu'est-ce que la Bible a dit que ce nom était? Jésus. Donc, ça devait être la révélation que les apôtres avaient, car c'est comme ça qu'ils baptisaient. Père, Fils et Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. Aucun d'eux n'est un nom. Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, je vais lire quelques passages de l'Écriture, juste avant que nous faisions les baptêmes. Je veux d'abord lire au sujet de la première fois où un baptême d'eau a été fait. Et ça se trouve dans Actes, chapitre 2, Pierre, au jour de la Pentecôte. Il avait prêché, et après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous ? » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour les autres qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Ensuite, la fois suivante où un baptême a été mentionné, c'est quand Philippe, deux jours plus tard, est descendu en Samarie. C'était des Juifs. Et alors, quand il n'y a que trois tribus de gens sur la terre, c'est le peuple de Cam, de Sem et de Japhet. Les Juifs, les gens des nations, et à moitié Juifs et à moitié des nations, les Samaritains. Quand Philippe est allé prêcher aux Samaritains, voici ce qui s'est passé. Celui-ci, Simon le sorcier, ensorcelait les gens par la sorcellerie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle au sujet du royaume de Dieu, au nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. La fois suivante où il est fait mention du baptême, c'est dans Actes 10, 44 à 48, dans la maison de Corneille, qui était un homme des nations. Il y a les Juifs à Jérusalem, Philippe en Samarie, et ici, il y a Pierre avec les gens des nations. Et comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis, les Juifs, qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux ?» Et il ordonna qu'ils, qui a reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous, et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Voyez, il a prié pour eux. La fois suivante où il est fait mention du baptême, c'est dans Actes 19, où il a rencontré les disciples de Jean. Ici, c'est Paul. Maintenant, écoutez attentivement. Actes 19. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Il rencontra quelques disciples et il leur dit, « Maintenant, regardez bien, ils étaient des disciples, ils étaient des croyants, des chrétiens. » Il leur dit, « Avez-vous reçu l'Esprit Saint après avoir cru ?» Et ils lui dirent, « Mais nous n'avons même pas ouï dire si l'Esprit Saint est. » Écoutez ce qu'il a demandé. Écoutez cette question essentielle que cet apôtre a posée. Voyez? Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisé ?» Et ils lui répondirent, « Par le baptême de Jean. »
Maintenant, j'imagine que ce matin, si l'un ou l'autre d'entre nous avait été baptisé par le même homme qui a baptisé Jésus-Christ, nous penserions que notre baptême est tout à fait sûr. Ne pensez-vous pas? Mais voici Paul, ici, qui dit que ça ne l'est pas. Dans la même nappe d'eau, par le même homme qui a baptisé notre Seigneur. Et Paul condamne maintenant ce baptême, parce qu'il n'était pas au nom de Jésus-Christ. Maintenant, écoutez, il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisé ?» Maintenant, si vous voulez vérifier ça dans le texte grec, il est dit, « Comment avez-vous été baptisé ?» Voyez. Et ils lui répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé pour du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui est venu, c'est-à-dire en Jésus-Christ. » Remarquez, ce même groupe avait été baptisé dans le Jourdain avec Jésus-Christ. Sur ces paroles, ils furent rebaptisés. Ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Paul, leur imposant les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Or, ce même Paul dit ici, dans l'Épître aux Galates, c'est pour ça que je m'y accroche. Galates, chapitre 1, verset 8. Écoutez, je vais commencer au verset 6. Il parle aux Galates. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé à la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui font obstacle à l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel, c'est-à-dire un prêtre, un pape, un prédicateur, quoi que ce soit, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Et nous l'avons dit précédemment, et à cette heure, je le répète, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Si nous retranchons une seule parole de la Bible, Apocalypse 21 ou 22, ou si nous y ajoutons une seule chose, intentionnellement, nous serons nous-mêmes retranchés du livre de vie. Par conséquent, ce sont mes convictions, sans manquer d'égard envers les gens qui veulent qu'on les asperge, qu'on verse de l'eau sur eux ou qu'on les immerge, dans Père, Fils, Saint-Esprit. Vous êtes libre d'en décider, mon cher frère, ma chère sœur. Je ne veux pas vous contredire. Vous êtes des serviteurs de Dieu. Mais quant à moi, je dois rester loyal et fidèle à la Bible. Ainsi, Paul a donné un ordre aux gens qui avaient été baptisés autrement qu'au nom de Jésus-Christ. Il les a pressés de venir se faire rebaptiser au nom de Jésus-Christ. Pour prêcher ce même évangile, je dois faire la même chose. Ordonner aux gens et les persuader. Ne quittez jamais votre église. Restez avec votre pasteur. Faites tout ce que vous pouvez dans votre propre église locale. Mais suivez les directives de la Bible. Donc, nous croyons ce matin que Jésus revient. Et ce jour-là, quand je me tiendrai, là, peut-être que le livre des credos est bien. Je ne peux pas le mépriser. C'est peut-être bien. Mais, et peut-être que l'Église catholique a effectivement cette autorité, je ne sais pas. Et si vous, les catholiques ici, vous pensez que votre Église a cette autorité, ceci, disent-ils, est leur livre originel. Alors, pourquoi prendre ce qu'un homme moderne a dit quand Christ, le fondateur de votre Église, a mandaté ceci? Quand votre premier pape a mandaté ceci? Suivons la Bible, car je crois que c'est la vérité. Maintenant, pendant que nous nous préparons, je veux que ceux qui doivent se faire baptiser s'avancent et se tiennent ici, afin que nous puissions montrer au monde que nous croyons que Jésus, en vivant, il nous a aimés,
En mourant, il nous a sauvés. Enseveli, il a emporté nos péchés au loin. En ressuscitant, il a justifié gratuitement pour toujours. Nous croyons qu'un jour, il reviendra. Nous attendons ce jour glorieux. Et vous venez ce matin pour confesser que ce péché au sujet duquel j'ai prêché ce matin, les péchés du monde, a été condamné et tué, et que vous n'êtes plus esclave de cette chose-là, mais qu'elle est morte. Et vous venez pour être enseveli dans le nom de celui qui est mort pour vous, et qui a tué le péché pour vous, et qui est ressuscité pour votre justification. Et vous êtes accompli en lui, pas dans une église, pas dans le Branham Tabernacle, pas dans l'association, mais vous êtes accompli et en sûreté en Jésus-Christ. Prions. Seigneur, cela semble parfois être difficile, car je sais que j'ai ici de précieux amis de foi catholique et quelques-uns des méthodistes wesleyens, et sans doute beaucoup de la croyance extrême dans la Trinité. Nous croyons, Seigneur, que Père, Fils et Saint-Esprit est le même Dieu, mais trois fonctions que le Dieu du ciel a exercées. Une fois pour les Juifs, dans la paternité, une fois dans la chair, dans la filiation, et maintenant dans le Saint-Esprit, dans l'Église. Pas trois dieux, nous ne croyons pas cela, Père, car tu ne peux pas nier ta propre parole, alors qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Tu as dit, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu. » Et nous croyons, Seigneur, que ce seul vrai Dieu a vécu dans trois dispensations différentes, sous la loi, sous la dispensation chrétienne, quand Christ était sur terre, dans un corps de chair, qui était né de la Vierge Marie. Il est mort et ressuscité et nous a rachetés, nous, l'Église. Et maintenant, sous la forme du Saint-Esprit, le témoin de la résurrection vit dans nos vies. Pardonne-nous nos péchés. Et je te prie de bénir chaque personne ici, quelle que soit son affiliation à une église ou à une dénomination. Ce sont des êtres humains qui vivent, qui mangent, qui aiment et qui veulent aller au ciel. Ils sont comme nous tous, et nous ne cherchons pas à discréditer quoi que ce soit, ni aucune œuvre que qui que ce soit ait faite en ton nom. Mais nous cherchons simplement à rendre témoignage de l'espérance qui se trouve en nous, en nous basant sur ta parole. Ta parole est la vérité. Alors nous prions, Père, que s'il y en a ici, que tu voudrais qu'ils se fassent rebaptiser, permets qu'ils s'avancent. Et ceux qui n'ont jamais fait de confession chrétienne, qui viennent maintenant pour être baptisés au nom de leur Seigneur ressuscité. Quel moment merveilleux pour le faire, le matin de Pâques. Qu'est-ce qui a amené le baptême? Parce qu'il y a eu un Pâques. Ô Seigneur, fais que tous ceux qui viendront soient bénis et remplis du Saint-Esprit, comme ils le désirent. Car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, ceux qui sont venus pour se faire baptiser, voulez-vous simplement vous lever? C'est afin que nous puissions avoir une idée générale de qui doit être baptisé. Il y en aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Il y en a 18. Très bien. J'ai vu la vôtre, là-bas au fond, la sœur au fond. Maintenant, j'aimerais que vous tous, si vous pouviez vous avancer ici juste un instant, voudriez-vous le faire? Sœur, voudriez-vous jouer pour nous « La voix du Seigneur m'appelle » aussi doucement que possible, lentement. Et je vois des gens qui avancent dans l'allée, comme je les connais, je vois des gens de l'extérieur de la ville, d'églises qui penseraient vraiment que je dévie un peu en baptisant les gens. Voudriez-vous vous déplacer un peu dans cette direction-ci, frère, pour que ceux qui sont ici derrière, oui, en les baptisant au nom du Seigneur Jésus.
tried to make it as clear as I know how to make it. Mais j'ai vraiment essayé de le rendre aussi clair que je peux le faire. Voyez, maintenant, c'est un beau groupe de gens. Je veux que vous vous tourniez tous vers l'auditoire, comme ceci. Très bien. Ces gens qui sont ici, ils viennent sur la base qu'ils croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il a souffert sous Ponce Pilate et qu'il a été crucifié au calvaire, est mort et a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour, a triomphé de la mort, du séjour des morts et de la tombe. Il est monté en haut et il est assis à la droite de la majesté divine pour intercéder sur la base de leur confession. Ils vous ont maintenant montré qu'ils croient cela solennellement, de tout leur cœur. Ils ont confessé leurs péchés devant Dieu. Ils sont convaincus que Jésus est le Fils de Dieu et l'ont accepté comme leur sauveur personnel. Si c'est bien le cas, levez la main, vous tous qui êtes ici, debout, comme ça. Levez-la simplement, oui. Donc, certains d'entre eux sont chrétiens depuis longtemps. Certains d'entre eux ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ils sont convaincus aujourd'hui que l'Écriture et que la manière apostolique de baptiser, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ils sont venus en croyant cela. Ils l'ont accepté, ils s'attachent à cela. Et ils pensent que c'est la vérité, parce que l'Écriture l'enseigne. S'il y a des personnes dans cette condition dans la ligne, voudriez-vous lever la main, vous qui avez été baptisé auparavant et qui, au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, et maintenant vous croyez au Seigneur Jésus-Christ. Merci. Ô Seigneur, Créateur des cieux et de la terre, auteur de la vie éternelle, voici des hommes, des femmes, des garçons et des filles que je dois conduire ici, à ce tombeau de Pâques. Ô Dieu, un jour, peut-être même aujourd'hui, je devrais comparaître avec eux au tribunal du jugement. Et quand le grand patron s'avancera, vêtu de ses glorieux vêtements royaux, en tant que ministre de l'Évangile, je devrais me tenir devant cette Bible ouverte et rendre compte de ce que j'ai enseigné aux gens. J'appréhende, ô Seigneur, dans la crainte de Dieu, d'enseigner quelque chose de faux. Et qu'alors tout ce que j'aurais fait serait rejeté. Car tu as dit, jusqu'à ce que les cieux et la terre passent, pas une seule de mes paroles ne passera. Et tu as dit que toute parole d'homme soit reconnue pour fausse, et que la tienne soit reconnue pour vraie. C'est pourquoi, Seigneur, je suis comme ton serviteur d'autrefois. Je les presse de venir se faire rebaptiser, pour que je puisse dire en ce jour-là que j'ai fait tout ce que je pouvais faire, malgré les critiques et quoi encore. J'ai essayé de rester fidèle à cette Bible. Seigneur, fais que leur vie soit enrichie et bénie, et puisse-t-il ne manquer de rien. Puisse le Saint-Esprit venir sur chacun de ceux qui ne l'ont pas encore reçu. Que ceci soit un temps de résurrection, afin que ce groupe de gens ressuscite, et que cette Église soit remplie de la puissance de Jésus ressuscité. Puissions-nous quitter ce bâtiment aujourd'hui en disant, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin? Accorde-le, Père, en tant que ton serviteur, avec ces choses matérielles, nous allons de l'avant maintenant pour obéir à tes commandements. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Maintenant, les femmes, je crois, vont dans cette pièce-ci. C'est bien ça, de ce côté-ci, où on se préparera, les femmes de l'Église prendront place ici avec ces femmes à ma droite. Les hommes iront de ce côté-ci, c'est-à-dire du côté gauche. Et Doc, s'il veut bien t'allumer le puissant éclairage au-dessus du baptistère, tout le monde pourra voir le service de baptême.
et Frère Neville dirigera les chants pour moi s'il le veut bien. Et nous... Alors, arrangez cela, qu'elle est allée voir, en contrebas de corridor, voir une femme qui n'était plus que l'ombre d'une femme, atteinte d'un cancer. Et elle lui a fait écouter la bande d'une des réunions. Et la femme est complètement délivrée. Dans la cour, elle ratissait les feuilles. Les médecins ne peuvent rien trouver de son cancer. Il y a quelques jours, une femme était assise ici, que j'ai demandé et dit, dans une petite assemblée, nous n'avons pas eu l'occasion de distribuer de cartes de prière. Alors je vais tout simplement demander combien de personnes ici n'ont jamais assisté à mes réunions auparavant. Beaucoup ont levé la main. Le grand Saint-Esprit a balayé l'endroit et a commencé à discerner les pensées des gens et ce qu'ils devaient faire. Il y avait là un petit bébé qui venait de quelque part en Géorgie. Il avait une maladie de la peau depuis sa naissance. Deux jours plus tard, quelqu'un a téléphoné, ou quelques jours plus tard, a dit « La maladie de la peau est en train de disparaître du bébé. » Une dame assise ici, qui allait se faire opérer, elle avait une grosse tumeur maligne au côté, qu'on allait opérer le mardi suivant. C'était le dimanche. Elle est venue avec une alcoolique, une ancienne alcoolique, Rosella Griffith. Et quand cette femme est venue et que le Saint-Esprit a commencé à lui dire qui elle était et d'où elle venait, cela a dit, vous avez peut-être pensé que Rosella nous a dit ça. Alors le Saint-Esprit est venu et a nommé son enfant dans l'auditoire. Il a parlé de l'enfant. Et il a dit, ainsi dit le Seigneur, cette tumeur a disparu. Et le mardi matin, quand elle est allée se faire examiner ou se faire opérer, tous les spécialistes, ils étaient quatre, je crois, se sont réunis. Ils ont commencé à chercher la grosseur en palpant, et elle n'était pas là. Ils m'ont fait passer des radiographies, ils ont fait venir d'autres médecins, puis ils m'ont remis ses vêtements et l'ont renvoyé chez elle. Il n'y a rien du tout là-dedans. Dieu est toujours Dieu. Ne perdez pas la foi. Continuez simplement à croire. Très bien. Priez tous pour moi, alors que nous allons en Californie, dans les réunions. Ferez-vous cela maintenant? Nous partons pendant environ 10 ou 15 jours à l'Angelus Temple à partir du 3. Ensuite, de là, nous irons un soir avec les hispanophones dans une salle à Los Angeles, le 16. Les 17, 18 et 19, nous serons aux bases navales de San Diego. Et de là, nous partons pour San José. C'est à 50 km d'Oakland, parce que nous n'avons pas pu avoir le stade que nous avions l'année dernière. Ils ont un événement de patins à glace là-bas. Et nous avons eu le champ de foire, qui peut accueillir, je pense, peut-être 20 000 personnes. Et 61 églises du plein évangile se sont inscrites pour la série de réunions. Donc, nous nous attendons à passer de merveilleux moments là-bas pendant environ 2 semaines. Que le Seigneur vous bénisse. Et priez pour moi maintenant. Thank you.
observez les choses que tu as ordonnées sur la consécration. Ceci, mon frère, et sa confession du Seigneur Jésus et sa pleine. Quel est votre... Vous pourriez attendre jusqu'à... Ils se tiennent juste ici. Oh, froide, terriblement froide. Nous avons quelque chose ici. Comment vous appelez-vous, sœur? De quel endroit? La fille d'Opal Weaver. Oui, votre mère a été sauvée de la mort, n'est-ce pas? Opal Weaver, elle avait un cancer. C'est vrai. Eh bien, ne seriez-vous pas l'infirmière qui était là-bas ce jour-là, quand je suis arrivé là? Une de ses filles étudiait pour devenir une infirmière. Oui, quand je suis entré là pour prier pour elle ce soir-là. Bien. Madame Kennard, avez-vous déjà été baptisée? Asperger. D'accord. Maintenant, regardez par ici. C'est bien. Très bien. Votre mère est-elle ici? Voici Madame Kennard. Et pour les gens de l'église ici, il s'agit de la fille de sœur Opal Weaver. Vous connaissez tous Opal Weaver et ce qui s'est passé dans sa vie. Elle n'était qu'un squelette atteinte d'un cancer. Les médecins l'avaient abandonnée. Et Madame Weber, sa voisine, qui a un lien de parenté avec elle, un jour que je revenais de l'Ouest pour une réunion, elle m'a demandé d'aller là-bas voir Madame Weaver. Madame Weaver a dit, « Frère Branham, je ne suis pas digne qu'un serviteur de Christ vienne dans ma maison, parce que je suis une pécheresse. » Et elle n'a pas beaucoup parlé de la guérison divine, mais elle a parlé de ses péchés. Elle ne voulait pas rencontrer Dieu en tant que pécheresse. Et juste là, elle a donné sa vie à Dieu. Et elle s'est avancée vers ce baptistère, toute vacillante et chancelante, avec des membres et des bras tout petits, au point qu'elle ressemblait à un squelette. Elle est entrée dans cette eau pour être baptisée au nom de Jésus-Christ. Elle se tient là, en train de pleurer en ce moment, alors qu'elle regarde sa fille se faire baptiser comme elle a été. Est-ce que vous qui êtes là, n'êtes-vous pas Madame Weaver? Voulez-vous faire un pas? Juste pour qu'ils puissent voir à quoi elle ressemble maintenant. Il y a bien des années, elle était un squelette d'environ 20 kilos. Et ici, c'est sa fille qui descend dans le même baptistère, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, sœur Kennard. Mettez simplement votre bras autour, comme ceci, sœur Kennard. Maintenez-les autour du mien. C'est ça. Bon, c'est bien. Regardez par ici. Maintenant, courbons la tête. Ô Seigneur Dieu, Créateur des cieux et de la terre, auteur de la vie éternelle et donateur de tout bon don. Alors que cette femme vient ce matin, consciente que tu as ressuscité sa mère des ombres de la mort, car elle t'a obéi dans le baptême d'eau, comme elle avait promis de le faire sur son lit de mort. Elle vient ce matin, sachant qu'elle a seulement été aspergée et elle n'était pas convaincue que c'était le baptême apostolique. Elle vient maintenant pour accomplir le désir de son cœur et l'ordre de Dieu. Alors, Père, je te prie de la remplir du Saint-Esprit et permets qu'elle ait une vie longue et heureuse et qu'elle te serve. Et sur la base de la confession de votre foi et de votre consécration à notre Seigneur, je vous baptise, ma sœur bien-aimée, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. «
Maintenant, faites venir quelqu'un juste devant vous, ici, pour que ces personnes s'habituent à l'eau. Voyez, faites-les passer par « Père, viens tenir sa main ». Faites descendre quelqu'un d'autre ici. Très bien. Je veux que l'autre... C'est ça. Tenez-vous juste là. C'est ça, juste là. Tenez-vous juste là. Belvin? Maintenant, faites descendre une autre jeune fille et qu'elle se tienne là, derrière, pour qu'elle puisse s'habituer à l'eau. En faire descendre une autre pour s'y habituer un peu plus. Maintenant, tenez-vous là, comme ceci, sœur. C'est ça. Très bien, là. Belvin, du Michigan. Très bien. Je pense que c'est comme ça que vous... Mettez votre main juste ici. Très bien. Sœur Belvin, Maria, des environs de Battle Creek, dans le Michigan, qui vient se faire rebaptiser au nom du Seigneur Jésus. Les gens, la raison pour laquelle nous hésitions un peu, là, bien que l'appareil pour chauffer l'eau ait été dans cette eau pendant un certain temps, au fond du baptistère, c'est encore glacé. Et c'est pour ça que nous les faisons simplement descendre, pour qu'ils s'habituent à l'eau. Et je leur demande, faites-les venir simplement pour qu'il y ait toujours une personne qui descende, une après l'autre. Alors maintenant, si vous voulez bien mettre vos bras autour des miens, sœur Belvin, comme ceci, croisez vos mains. C'est ça. Très bien. Maintenant, prions. Très juste Père Céleste, auteur de la vie éternelle, donateur de tout bon don, envoie tes bénédictions sur cette femme qui a fait tout le trajet depuis le Michigan pour suivre ton fils dans le baptême ce matin, dans ce baptistère glacé. Ô Seigneur, exauce les prières de ton serviteur. Et je te prie de remplir sa vie de ta puissance, des bonnes choses du ciel. Et alors que je la baptise d'eau, remplis-la du Saint-Esprit et de puissance pour ton service. Accorde-le, Dieu éternel, car tu nous as donné la commission d'aller par tout le monde et de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et de leur enseigner à observer tout ce que tu as prescrit. C'est pourquoi, sur la base de la confession de votre péché et de votre foi dans le Fils de Dieu, je vous baptise, ma sœur bien-aimée, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comment t'appelles-tu, hein? Joseph, quoi? Blade? Quel est son nom de famille? Quoi? Blade. Très bien. Tiens-toi juste ici, fiston, si tu le veux bien, s'il te plaît. Très bien. Maintenant, tenez-vous là, sœur, pour que... C'est ça, très bien. Voici un brave jeune homme, Joseph Blade. Ce petit garçon a déjà joué d'un instrument devant près de 150 000 personnes. Il vient pour devenir un petit prédicateur. Il est venu pour se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Non pas parce qu'il s'est laissé persuader par son père ou sa mère, mais c'est par sa propre conviction qu'il est venu. Il doit jouer cet après-midi quelque part dans l'Indiana. Mais il voulait attendre jusqu'à ce que ceci se produise, parce qu'il est convaincu que ceci est vrai. Il est écrit dans les Écritures, « Un petit enfant les conduira, courbons la tête. » Tiens le bras de frère Branham. C'est ça, mon garçon. Juste ici. Prions. Seigneur Dieu, il est écrit, « Laissez venir à moi les petits enfants. » Voici un petit Joseph. Quand je pense à ce nom-là, je pense à mon propre petit garçon. Je te prie de bénir le petit Joseph, de remplir sa vie du Saint-Esprit, Seigneur. Fais de lui, donne-lui ce que son cœur désire, qu'il soit un prédicateur de l'Évangile. Donne-lui du succès dans tout ce qu'il entreprend. Et sur ta commission, Seigneur, car tu nous as donné la commission d'aller par tout le monde et de faire des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et de leur enseigner à observer ce que tu as prescrit. Et sur la base de la confession des péchés de ce petit garçon et de sa foi dans le Fils de Dieu, je te baptise, mon petit frère Joseph,
au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comment vous appelez-vous, sœur? Myers. Sœur Myers. Oh, c'est sœur Downing, ici. Entrez simplement dans l'eau. Ces gens viennent du Tennessee. Voici sœur Myers, qui vient de Memphis, dans le Tennessee, pour rencontrer son Seigneur par le baptême ce matin. Je suppose que vous avez été baptisé une fois dans « Enfant ». Et vous venez maintenant pour être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez bien me tenir le bras, sœur Myers, je crois, si vous pouviez peut-être retourner les deux mains. Je crois que la dame, tout à l'heure, c'est ça, ça c'est mieux. Courbons la tête. Ô Seigneur Dieu, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts et qui nous en a rendu témoignage par le Saint-Esprit, nous nous tenons ici, dans ce tombeau glacé ce matin, sachant ceci, que, aussi sûr que Jésus est sorti de la tombe, de même, nous ressusciterons en ce jour-là. Un jour, si Jésus tarde, nous irons dans une tombe boueuse. On jettera de la terre sur nous. Mais aucune tombe ne peut nous retenir. Jésus a fait cette promesse. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Cette jeune femme vient aujourd'hui avec un cœur pleinement consacré, croyant que tu feras cela pour elle. Donc, Seigneur Dieu, Créateur des cieux et de la terre, et auteur de la vie éternelle, envoie tes bénédictions sur elle, alors que j'accomplis la commission que tu nous as donnée d'accomplir. Sur la base de la confession de votre foi dans le Fils de Dieu, je vous baptise, ma sœur bien-aimée, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, sœur. Sœur Downing est ici. Venez vers moi. Voici sœur Downing. Elle vient aussi de Memphis, dans le Tennessee. Dieu a été bon envers cette famille, comme il l'a été avec sa mère, qui a eu une longue période de maladie. C'est l'une des meilleures amies de ma femme. Et elle vient aujourd'hui, non pas parce qu'on l'a persuadée, elle vient par conviction, car elle veut se faire rebaptiser au nom de Jésus-Christ. Dieu bénit cette femme. Je veux dire ceci, je préfère donner une petite fleur à une personne maintenant plutôt qu'une couronne entière après son départ. J'ai observé cette femme pendant de nombreuses années, depuis que je suis entré dans le ministère. Et cette femme, je connais son passé, ce qu'elle a été et ce qu'elle a fait. Elle a eu un cœur appesanti par les ennuis, mais elle a été l'un des exemples du christianisme. Je suis content de pouvoir dire ça ce matin. Et elle est remarquable à mes yeux en tant que chrétienne consacrée. Je suis si heureux de pouvoir dire cela à son sujet avant de la baptiser au nom de son Seigneur. Prenez les deux mains comme vous voulez, sœur Downing. Juste là, ce sera très bien. Serrez vos doigts comme ceci. Je crois que ça vous aidera à vous relever. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, auteur de tout bon don et auteur de la vie éternelle, tu nous as donné la commission d'aller par tout le monde et de faire de toutes les nations des disciples. Ceci, Seigneur, nous l'avons fait avec respect. Et je te prie de recevoir cette femme selon la conviction de son cœur, après qu'elle avait fait cela au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non pas parce que je l'ai dit, mais parce qu'elle est convaincue que c'est ta manière apostolique, initiale et originelle de faire le baptême, comme la première église baptisée. Elle vient comme Paul l'a dit autrefois. Et ô Dieu, je te prie de la recevoir. Et je sais que tu le feras. Et donne-lui une vie heureuse maintenant. Donne-lui ce que son cœur désire. Et sur la base de la confession de votre foi en Jésus-Christ, et sur la base de votre consécration à lui, je vous baptise, ma sœur bien-aimée, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Oh, monsieur, je crois que tu es le prochain à venir. Comment t'appelles-tu? Henry Blade. Très bien. Voici Henry Blade, un jeune homme qui vient pour se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Es-tu le frère du petit qui vient d'être baptisé?
Tu joues de la musique aussi? Un autre membre de l'orchestre qui joue de la musique, qu'on réclame de partout. Quelqu'un me disait tout à l'heure qu'il joue partout devant de grands auditoires. Et il est venu par conviction pour être baptisé au nom de son Seigneur ressuscité. Voudrais-tu t'avancer jusqu'ici, frère Blade? Place simplement tes deux bras comme ceci, juste autour de mon bras. C'est ça, prions. Ô Seigneur Dieu, Créateur des cieux et de la terre, auteur de la vie éternelle et donateur de tout bon don, envoie tes bénédictions sur ce jeune homme que je baptise au nom de ton Fils. Accorde-le, Seigneur. Sur la base de la confession de tes péchés et de ta foi dans le Fils de Dieu, je te baptise, mon frère bien-aimé, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Eh bien, ce petit garçon, Dieu le bénisse. Comment t'appelles-tu? Quoi? Myers. Voici le petit frère Myers. Quel âge as-tu? 10 ans. Quelqu'un pourrait dire, pourquoi baptisez-vous ce petit garçon? Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Laissez-les venir, ce petit garçon veut être baptisé. Je crois qu'ils ont dû aller chercher des vêtements pour lui, ou quelque chose, pour qu'il soit baptisé. Il est convaincu. Prions. Seigneur Dieu, Créateur des cieux et de la terre, auteur de la vie éternelle et donateur de tout bon don, envoie tes bénédictions sur cet enfant qui vient à toi ce matin dans ce tombeau glacé. Comme je le baptise d'eau, remplis-le du Saint-Esprit sur la base de la confession de ses péchés et de sa foi dans le Fils de Dieu. Je te baptise, mon petit frère, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que son petit cœur soit béni. Très bien, sœur Angren. Cette dame ici a été un trophée de la grâce de Dieu. C'est monsieur, madame Angren, la mère de la jeune fille Downing et de la jeune fille qui l'a précédée, qui vient d'être baptisée. Ils viennent tous de Memphis, dans le Tennessee. C'est une de nos amies depuis des années et des années. Et elle vient d'une église trinitaire à Memphis, dans le Tennessee. Je ne dirai pas à sœur Angren ni à qui que ce soit de ne pas aller à l'église. Certainement, vous allez à votre propre église. C'est très bien, mais elle ne fait pas ça parce qu'elle a quelque chose contre son église. Elle le fait parce qu'elle est convaincue par l'Évangile qu'il s'agit là du baptême apostolique. Que Dieu vous bénisse, sœur Angren. Elle était malade, elle a traversé cette période de la vie, ça ne lui a fait aucun bien. Et sœur Weaver, alors que vous êtes debout ici, un témoin que, et beaucoup d'entre vous ici qui le savent, quand vous vous êtes fait rebaptiser au nom de Jésus-Christ, certains d'entre vous qui avaient le cancer et qui n'arrivaient pas à se rétablir, quand vous avez été rebaptisé au nom de Jésus, le cancer vous a quitté. Madame Weaver est l'une d'entre elles. Et la dame de l'autre côté de la rue est l'une d'entre elles pour qui ça s'est produit. Et je mets ma confiance en Dieu que ceci mettra fin à vos souffrances, sœurs, parce que vous avez obéi au commandement de Dieu. Maintenant, si vous voulez simplement mettre vos bras autour des miens, les tenir de la manière dont vous voulez, prions. Très bien. Seigneur Dieu, Créateur des cieux et de la terre, voici ta servante. Et elle est malade depuis quelque temps. Mais, ô Seigneur, elle se tient ici aujourd'hui dans ce baptistère pour être baptisée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'ai aimé ces gens et j'ai constamment prié pour eux afin qu'ils voient cette grande lumière. Car je crois, Seigneur, que c'est, de tout mon cœur, que c'est la voie que tu nous as destinés à suivre. Je te prie de guérir maintenant, sœur Angren, que toute trace de maladie reste dans ce baptistère. Puisse-t-elle se relever avec une santé nouvelle dans la puissance de la résurrection de Christ. Sur la base de son témoignage et de sa confession et de sa foi dans la parole de Dieu, je vous baptise, ma sœur bien-aimée, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Très bien, frère. Je crois que vous êtes un technicien de radio, n'est-ce pas? Ou quelque chose comme ça, un animateur de radio. Voulez-vous vous tourner et vous redresser? Comment vous appelez-vous? Berthe Mann. Si vous vous tournez,
Oui, voici frère Bert Mann, l'animateur de radio, le journaliste, le présentateur du bulletin d'information de la station de radio, qui est convaincu que le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ est correct. Avez-vous déjà été baptisé, frère? Il a déjà été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Mais il est convaincu par la lecture de la parole que c'est ce qu'il doit faire. Un homme de son calibre et de sa profession qui vient directement dans l'eau. Il veut que Dieu le bénisse et lui donne ce qu'il a pour lui dans la vie. Que Dieu bénisse son fidèle serviteur. Avancez jusqu'ici, frère Berthe. Mettez vos deux bras autour des miens, ici même. C'est ça. Prions. Seigneur Dieu, Créateur des cieux et de la terre, auteur de la vie éternelle et donateur de tout bon don, envoie tes bénédictions sur ce frère. Et alors qu'il vient ici comme témoin de ta grâce, un lecteur de ta parole, convaincu dans son cœur que c'est la chose à faire, parce que c'est une commission de ta Sainte Église, c'est l'originel. Et Seigneur, nous voulons suivre les commandements de ceux qui ont marché avec toi, car c'est vraiment notre désir de marcher comme eux ils ont marché, de prendre le sentier que les apôtres ont suivi. Nous ne savons pas ce qu'on y trouvera, peut-être la persécution, peut-être que ce sera du chagrin, peut-être que ce sera de la peine. Mais Seigneur, tant que tu conduis, nous savons que tout ira bien. Bénis notre frère, remplis sa vie du Saint-Esprit et puisse-t-il se consacrer au service de Christ. Alors, sur la base de la confession de votre foi et de votre conviction de ce que vous êtes sur le point de faire maintenant, mon frère bien-aimé, je vous baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous êtes sœur Skaggs. Êtes-vous la fille de frère Skaggs, ici, mon ami? Voici sœur Skaggs. Avez-vous déjà été baptisée, sœur Skaggs? Elle a déjà été baptisée dans le Père, Fils, Saint-Esprit. Elle vient ce matin, cette jeune femme, pour consacrer sa vie au Seigneur Jésus, afin de le suivre dans le baptême apostolique. Que le Seigneur vous bénisse, sœur Skaggs. Voudriez-vous vous approcher un peu plus près? Mettez vos bras comme bon vous semble pour tenir les miens. Courbons la tête. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, auteur de la vie éternelle et donateur de tout bon don, envoie tes bénédictions sur ta jeune servante. Je te prie de remplir sa vie de la miséricorde et des bénédictions de Dieu, car elle te consacre son âme, Seigneur, et remplis-la de ton esprit et de ton amour. Sur la base de la confession de votre foi, ma sœur bien-aimée, je vous baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Quoi qu'elle soit, si elle est convaincue, eh bien, alors d'accord. Très bien. Quel est votre nom, là? Voici frère Henry B. Johnson. Il est venu ici à Pâques l'an dernier pour se faire baptiser, mais il n'avait pas ses vêtements. Et il a attendu un an pour être baptisé au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ce vaillant serviteur de Christ. Avancez-vous jusqu'ici, frère Johnson. Mettez simplement vos bras autour des miens ici, de la manière que vous pensez sera la meilleure pour pouvoir mieux vous relever. C'est ça, c'est ça. Prions. Seigneur Dieu, Créateur des cieux et de la terre, auteur de la vie éternelle, donateur de tout bon don, envoie tes bénédictions sur ce cœur qui attend. Oh, quand tu le verras sortir de cette eau, puisse le Saint-Esprit qui se mouvait à la surface des eaux au commencement, puisse-t-il agir sur lui, consacre sa vie, ô Dieu, à ton service. Sur la base de la confession de vos péchés et de votre foi en Jésus-Christ, je vous baptise, mon frère bien-aimé, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Toi aussi, froide? Oui. Voyons ce que Marthe est ça ou Joan. Voici une autre petite fille de l'une des... la fille de sœur Downing. La petite Joan Downing. C'est ça, sœur? Quel âge as-tu environ? 14 ans. C'est une amie intime de ma petite fille, Rebecca, qui se tient ici et qui la regarde se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus. Nous sommes si heureux aujourd'hui de voir la petite Joanne qui agit par conviction.
ces adolescents, alors que ce monde est rempli de péchés et de corruption, de les voir faire le choix de suivre Jésus-Christ. Que Dieu bénisse cette jeune fille en tenant tes mains. Prions. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, et auteur de la vie éternelle, envoie tes bénédictions sur cette jeune femme. Alors que je la baptise d'eau, je te prie de la remplir du Saint-Esprit. Accorde que sa jeune vie soit une bénédiction pour toi, Seigneur. Accorde-le et parle-lui. Vis en elle et œuvre à travers elle, Seigneur, par la puissance de Dieu. Sur la base de ta confession du Fils de Dieu, je te baptise, ma sœur bien-aimée, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Très bien, sœur. Ta mère est ici? Oui, c'est froid pour toi. Comment t'appelles-tu? Sharon Myers. Regarde par ici, Sharon. Sharon Myers, une autre jeune femme qui vient maintenant, elle consacre sa vie à Christ. As-tu déjà été baptisée, Sharon? Non. C'est la première fois qu'elle se fait baptiser. Que le Seigneur bénisse cette jeune femme et remplisse sa vie de la bonté et de la miséricorde de Dieu. Avance-toi ici, sœur Sharon, et mets simplement tes deux bras comme ceci, ma chérie. Je crois que par ici, en dessous, ce serait mieux. Maintenant, de n'importe quelle manière que tu peux le tenir, comme ça, très bien. Sœur Sharon, prions. Seigneur Dieu, Créateur des cieux et de la terre, auteur de la vie éternelle et donateur de tout bon don, envoie ta miséricorde sur notre sœur ici. Et puisse-t-elle vivre et être un exemple de vrai christianisme dans le quartier d'où elle vient. Accorde-le, Père, car tu nous as donné la commission d'aller par tout le monde et de faire de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et de leur enseigner à observer ce que tu nous as prescrit. Accorde-le, Seigneur, paix que cette jeune fille reçoive les bénédictions que tu as promises. Sur la base de la confession de ta foi et sur la base de ta consécration au Fils de Dieu, je te baptise, ma sœur bien-aimée, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon, les chaussures ne sont pas... Oui, cette valise pour les vêtements mouillés. Oui, très bien. Et vous vous appelez Samner. Regardez par ici. Frère Samner. D'où venez-vous, frère Samner? Il vient ce matin de là-bas, en Géorgie. Avez-vous déjà été baptisé auparavant, frère Samner? Il a déjà été baptisé, Père, Fils et Saint-Esprit. Convaincu que ceci est la vérité, il vient ce matin depuis la Géorgie pour se faire rebaptiser au nom de Jésus-Christ en ce matin de Pâques, confessant sa foi dans le Fils de Dieu. Avancez-vous par ici, frère Samner. Et mettez vos bras autour des miens. Prions. Seigneur Dieu, alors que je le baptise d'eau, je te prie de le remplir du Saint-Esprit et de feu. Ce jeune homme qui a une vie consacrée, Seigneur, envoie-le dans les champs de mission quelque part pour accomplir ton œuvre. Et sur la base de la confession de sa foi dans le Fils de Dieu, je vous baptise, mon frère bien-aimé, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, mon vaillant frère. Vous êtes sœur, est-ce votre mari? Eh bien, comme c'est merveilleux, je mets ma confiance que Dieu va accorder sa bénédiction. Voici sœur Samner, vous l'avez compris, c'est son mari qui a été baptisé il y a quelques instants. Nous laissons les gens se tenir dans l'eau quelques minutes pour qu'ils s'habituent à l'eau. Très bien, sœur Samner, si vous voulez bien mettre vos bras autour des miens, je crois que si vous les déplaciez comme ceci, sœur Samner, ce serait mieux. Prions. Seigneur Dieu, comme sœur Samner vient maintenant pour poursuivre notre Seigneur et Sauveur dans le baptême. Elle vient juste après son mari, comme c'est approprié. Je ne le savais pas. Mais d'attendre jusqu'à ce moment-là, ça a dû être la volonté que tu as décrétée, Seigneur, et ta manière de faire les choses, afin qu'elle puisse aussi suivre son mari, car il est l'exemple pour elle. Et je te prie de la bénir et de consacrer sa vie, et puissent-ils avoir une vie longue et heureuse ensemble, élever leurs petits et te servir. Alors qu'elle vient maintenant se faire baptiser, je te prie de lui donner ce que son cœur désire. Sur la base de la confession de votre foi dans le Fils de Dieu, je vous baptise, ma sœur bien-aimée, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est la première fois que vous vous faites baptiser, sœur Softman?
Il s'agit de la femme d'un de mes très chers amis intimes, frère Fred Sothman, de Houghton, en Saskatchewan, au Canada. Sœur Sothman, c'est une personne très chère, une femme consacrée, une vraie mère, une vraie épouse et une chérie pour mon ami Fred. Je prie que Dieu bénisse Sœur Sothman et lui donne tous les dons du royaume qu'elle désire. Vous pouvez mettre votre bras juste ici. Je crois que ce serait mieux, Sœur Sothman, de le prendre comme ceci, puis celui-là par en dessous, comme ça. Prions. Ô Seigneur Dieu, Créateur des cieux et de la terre, je suis tout à fait certain que tu es quelque part ici, à cet endroit ce matin, en train de regarder ceci. Car personne ne peut faire quoi que ce soit en ton nom sans que tu le saches. Tu vois la foi de cette femme et sa consécration. Je te prie de la bénir, elle et frère Fred, tous les deux, puisse-t-il avoir une vie longue et heureuse à te servir. Accorde le Seigneur, et comme elle est venue maintenant avec un cœur entièrement abandonné et consacré pour être baptisée selon la manière dont les apôtres ont été baptisés, de la manière dont ils baptisaient les gens. C'est pourquoi, sur la base de la confession de sa foi dans le Fils de Dieu, je vous baptise, ma sœur bien-aimée, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous avez des frissons? Comment vous appelez-vous? Hudgens. Sœur Doris Hudgens. D'où venez-vous, sœur Hudgens? New Albany. Elle vient ce matin pour être baptisée au nom de son Sauveur. Puisse le Seigneur Dieu du ciel la bénir et faire d'elle une bénédiction à New Albany, cette ville où elle retournera. Mettez ce bras en dessous, comme ceci, derrière. Très bien. Gardez la petite juste là un instant, jusqu'à ce que je la baptise. C'est très froid pour une petite fille. Est-ce votre petite sœur? Oh, c'est très bien. Un instant, nous allons nous en occuper. Prions, d'accord? Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, auteur de la vie éternelle et donateur de tout bon don spirituel et physique, donne à cette femme la santé, la force, le bonheur et toutes les bénédictions spirituelles que tu lui réserves. Tu ne veux pas qu'elle manque de quoi que ce soit. Et je te prie de lui accorder cela, Seigneur, alors qu'elle se consacre en te suivant dans ce tombeau glacé ce matin. Dieu, accorde-le. Et sur la base de la confession de votre foi, je vous baptise, ma sœur bien-aimée, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu soit loué. Et toi, est-ce que tu t'y habitues un peu? Elle a peut-être un peu peur de ça. Comment t'appelles-tu, ma chérie? Blade? Es-tu là? Ta famille vient-elle d'être baptisée? La petite Marie Alice Blade. Quel âge as-tu, ma chérie? 11 ans. Que le Seigneur bénisse cette petite enfant, lui donne la sincérité et le désir sincère de son cœur, c'est ma prière. Pourrais-tu t'avancer ici? Marie Ellen, Marie Alice. Oui, bon, très bien. Prions. Seigneur Dieu, Créateur des cieux et de la terre, auteur de la vie éternelle et donateur de tout bon don, envoie tes bénédictions sur cet enfant ici qui est au tournant de sa vie. Puissions-nous, puisse-t-elle continuer sur ce chemin qui mène à la vie. Accorde-le, comme elle est venue ce matin, confessant ses péchés et confessant qu'elle a foi en Jésus-Christ qui est mort pour la sauver de ses péchés. Elle entre dans ce baptistère glacé pour être baptisée au nom de son Sauveur. Seigneur, fais que le Saint-Esprit agisse sur l'eau quand elle ressortira d'ici et qu'il agisse sur son cœur et ne la quitte jamais à partir de maintenant et tout au long de l'éternité. Accorde-le, Seigneur. Sur la base de la confession de tes péchés et de ta foi dans le Fils de Dieu, je te baptise, ma sœur bien-aimée, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Très bien, monsieur. Pourquoi ne restez-vous pas un peu plus longtemps pour me laisser en prendre une autre ici? Est-ce que c'est... Y en a-t-il d'autres qui viennent se faire baptiser? Est-ce que tu viens pour te faire baptiser, sœur? Très bien. Tu viens te faire baptiser, ma chérie? L'autre petite fille vient aussi? Très bien. Laissez-les s'y habituer un peu. Laissez-les y aller tranquillement. Tout ira bien.
restez bien tranquille. Et que la petite fille continue simplement à avancer, qu'elle avance un pas à la fois, côté l'autre. Tiens-toi là, maintenant, un petit moment, et laisse l'autre avancer. Comment t'appelles-tu, sœur? Dorothée qui? Darlene. Eh bien, d'où viens-tu, Darlene? Du Kentucky. Voici la petite Darlene Wilcoxon, du Kentucky. Elle vient ce matin pour confesser sa foi dans le Fils de Dieu et pour être baptisée au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Que Dieu bénisse cela. J'aime voir ces adolescents venir, parce que, s'il y en a demain, ce seront les ouvriers de demain. Et, c'est vrai, une charmante demoiselle, à l'âge où Satan pourrait miner sa petite vie et faire en sorte qu'elle vive dans le déshonneur. Elle a pris le bon chemin. Reste sur ce chemin, Darlene, jusqu'à ce que Jésus te libère. Mais simplement une main comme ceci. Et je crois, Darlene, comme ceci, ma chérie. Et puis, une autre juste là, comme ça. C'est bien. Prions. Dieu miséricordieux, qui a créé les cieux et la terre, et qui a donné toutes choses gratuitement par Jésus-Christ, nous te remercions ce matin pour le privilège que nous avons de conduire ces enfants à toi. Ô Dieu plein de grâce, remplis cette petite vie et fais que le diable ne la touche pas. Puisse-elle être ta servante tous les jours de sa vie. Accorde le Seigneur. Comme elle a commencé ce matin, en se tenant dans ce tombeau glacé, elle est descendue ici, croyant que Jésus-Christ est mort pour ses péchés, et elle le confesse maintenant publiquement. Écris son nom, non seulement sur cette feuille de baptême, mais puisse-t-il être dans le livre de vie. Puisse-t-elle apparaître, en ce jour-là, resplendissante comme l'or. Accorde-le. Sur la base de la confession de tes péchés et de ta foi dans le Fils de Dieu, je te baptise, ma sœur bien-aimée, au nom de Jésus-Christ. Amen. Très bien. Comment t'appelles-tu? Émilie Plaid. Quelle mignonne petite fille. La petite Émilie Plaid. Quelle foi! Blade, oh, tu es là, l'une des... C'est ta sœur qui vient de se faire baptiser. C'est une petite chérie. Eh bien, quelqu'un m'a dit une fois, il a dit, « Frère Branham, pourquoi baptisez-vous les enfants ?» Jésus a dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants. » Ça, c'est, « Laissez, permettez-leur de venir. » Vous dites, « Eh bien, elle ne sait pas ce qu'elle fait. » Si elle agissait mal, elle le saurait, n'est-ce pas? Pensez-vous que cet enfant ne le saurait pas quand elle agit mal? Si elle est assez âgée pour savoir quand elle a mal agi, elle est assez âgée pour savoir quand elle a bien agi. Et s'il lui arrivait quelque chose et que je l'en empêche, alors ce sang serait sur mes mains au jour du jugement. Oui, monsieur, quel que soit leur âge, quand ils veulent venir, laissez-les venir. Tu aimes Jésus? Tu vas le servir? Sais-tu ce qu'est ce baptistère ce matin? C'est là qu'il est mort, qu'il était enseveli dans cette tombe vraiment froide. Mais il est ressuscité. Dieu l'a ressuscité. Un jour, ma chérie, toi aussi, tu ressusciteras. Aime Jésus et sers-le tous les jours de ta vie. Maintenant, prions. Seigneur, il est écrit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Je te prie de bénir cette petite enfant, comme je la baptise d'eau et tu la baptises de l'Esprit, Seigneur. Elle est venue, elle croit, elle est venue de son propre gré, et je la baptise selon ta parole. » Sur la base de la confession de ses péchés et de sa foi dans le Fils de Dieu, je te baptise, ma sœur bien-aimée, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comment ça va? Comment ça va, ma chérie? Ça va? Comment t'appelles-tu? Très bien. Dobson? Robinson. Voici la petite sœur Robinson, qui vient pour être immergée au nom de son Sauveur, le Seigneur Jésus. Courbons la tête maintenant, alors que nous prions. Mets tes bras juste ici, ma chérie. Ô Seigneur Dieu, Créateur des cieux et de la terre, auteur de la vie éternelle et donateur de tout bon don, envoie tes bénédictions sur cette petite demoiselle, alors qu'elle vient ce matin en confessant ses péchés et en croyant au Fils de Dieu. Fais, Seigneur, qu'elle soit remplie du Saint-Esprit et puisse-t-elle prendre ce droit chemin et continuer dans cette direction jusqu'à ce qu'elle soit libérée de cette vie. Accorde le Seigneur, donne-lui les bénédictions qu'elle désire dans sa vie.
Maintenant, sur la base de la confession de tes péchés et de ta foi dans le Fils de Dieu, je te baptise, ma sœur bien-aimée, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. La semaine prochaine, oui. Tu as un peu peur de venir ici, ma petite? Hein? Où est la mère? Oui. Qu'en pensez-vous? Vous voulez essayer? Tu veux te faire baptiser, ma petite? Hein? Tu le veux, ma petite? Veux-tu venir avec frère Branham dans l'eau? As-tu peur de venir? Hein? Tu veux venir, ma chérie? Tu veux venir ici? Très bien, sœur. Ça lui fait peut-être un peu peur. Donnez-lui cela. Maintenant, y a-t-il quelqu'un d'autre là? Y a-t-il quelqu'un d'autre de ce côté-ci? Très bien. Tirez ce rideau. Très bien. La petite fille qui se tenait ici à l'instant pour se faire baptiser, elle voulait être baptisée, mais elle craignait que l'eau soit trop froide pour elle. Et alors, sa mère a dit, « Eh bien, elle m'a demandé ce que j'en pensais. » J'ai dit, « Peut-être que si elle avait peur, je ne voudrais pas lui faire peur. » Voyez, de toute façon, elle était toute petite, mais elle dit qu'elle veut être baptisée. Alors, elle s'est dit qu'elle allait attendre le prochain baptême. Peut-être que l'eau serait un peu plus chaude. Alors, c'est vraiment touchant. Et la mère, et nous prions Dieu que... Prions pour la petite fille. Seigneur Jésus, nous te remercions pour cette petite. Et c'est une... Cela devrait être une réprimande pour les personnes plus âgées, de voir que, quand ce petit cœur est tendre et jeune, elle veut venir. Elle est si petite, Seigneur. Ça montre que tu peux traiter avec un cœur quand il devient humble et simple. Que cela soit ton exemple, Seigneur, montrant que tu peux traiter avec les gens. Et je te prie d'être avec la petite fille et de l'aider. Puisse-t-elle devenir plus âgée, plus forte et plus grande, jusqu'à pouvoir être baptisée au nom de ton Fils. Accorde-le, Père. Et maintenant, quant à ceux qui ont été baptisés, Dieu notre Père, alors que je reste encore ici dans l'eau, et ton esprit a été ici. Nous avons vu ces petites filles se lever, ces petits garçons, les mains en l'air, pour te glorifier. Nous sommes si reconnaissants de tout cela et de savoir que le Saint-Esprit est proche. Bénis-nous, Seigneur. Bénis ceux qui ont attendu, les pères et les mères, les bien-aimés, les maris, les filles, les mères, et quoi encore. Je te prie de les bénir tous. Et maintenant, Père, je te prie de nous donner du repos cet après-midi. Et aide-moi, alors que je ferai cette ligne de discernement cet après-midi et ce soir, afin que le Saint-Esprit, après que nous aurons fait ces choses, que ce soit le plus grand triomphe que nous ayons jamais eu dans ce tabernacle ce soir, puisse-t-il y avoir une puissance ineffable ici dans le tabernacle pour guérir tous les malades et les affligés. Accorde-le, Seigneur. Nous prions et nous nous consacrons. Et je me tiens ici dans cette tombe remplie d'eau ce matin. Je me consacre de nouveau à toi, Seigneur. Ô Dieu, s'il y a en moi quelque chose que tu peux utiliser, prends-le. Frère Neville, et nous tous ensemble, en tant que ministre ou diacre, en tant que compagnon d'œuvre dans l'Évangile, nous nous consacrons à toi, ô Dieu. Utilise-nous, Seigneur. Donne-nous une nouvelle résurrection dans notre cœur par l'expérience. Envoie-nous loin du Saint-Esprit afin que nous puissions faire l'œuvre du Dieu vivant. Nous demandons ceci au nom de Jésus. Amen. You're dismissed, and may the Lord bless us until the next service time. Je te remets le service, frère Neville.